Même si le CAC 40 repère quelques quoi, demi-points de pourcentage, enfin un demi-pourcent aujourd'hui, il est toujours quasiment en hausse de allez, un petit peu moins de 20% depuis ses points bas en septembre dernier. Est-ce que les marchés boursiers sont peut-être un petit peu, c'est la question qu'on se pose, en train de s'emballer? Bonjour Nicolas. Bonjour. Nicolas Gotsman pour la financière de la Cité. C'est en quasi ligne droite, alors c'est un peu moins de 20% parce que ce matin, enfin aujourd'hui on est un petit peu en baisse. C'est en quasi ligne droite. On dit souvent que 20%, quand on gagne 20%, on entre en bull market. On entre en marché haussier là? Alors oui et non, parce qu'en fait on a quand même perdu pas mal de terrain depuis le début de l'année. Ensuite, par rapport à un point bas. Oui, ouais, oui, si on veut, oui, ouais. On peut dire ça. On n'y est pas encore, ouais. Au 20%. Par contre, ce qui est, enfin, c'est pas arrivé tout à fait sans raison non plus. Il y a quand même des raisons, on va dire, objectives à cette. À ceux qui disent, c'est des rachats de shorts, des positions vendeuses, des fonds spéculatifs, des algorithmes, qu'il n'y a rien de fondamental, que c'est plutôt technique. Ah si, il y a pas mal de choses qui se sont passées. On va dire, le rallye a commencé à peu près le 30 septembre. Ouais. Ça a commencé aux États-Unis, en même temps en Europe. Déjà, on peut parler de pivot de la part des banques centrales, c'est-à-dire que à partir de une inflexion du discours et en tout cas une volonté de monter les taux, on va dire, de façon moins rapide que ce qui était prévu, de ce qu'on pouvait imaginer précédemment. Ce qui montre qu'il y a une prise en compte un peu plus importante du phénomène de croissance de la part notamment des autorités américaines, pas forcément en Europe, mais un peu plus le cas aux Américains, enfin du côté américain, donc ça permet de soutenir un peu le marché. Ce qui veut dire qu'on a aussi un retraitement également sur les taux d'intérêt. Évidemment, si on a une baisse des taux d'intérêt, ça alimente aussi la valorisation du prix des actions et donc c'est normal que ça. C'est ça en fait la raison de fond pour alors, vous. Ça, c'est la raison principale, notamment sur tous les mouvements qu'on a eu depuis le début de l'année, c'est vraiment l'évolution des taux d'intérêt, c'est vraiment la phase fondamentale prioritaire de tout. Ensuite, sur ce qui se passe en Europe et le fait que le rallye européen ait été plus prononcé que celui qu'on a pu voir aux États-Unis, c'est aussi simplement la conséquence du fait que l'Europe est beaucoup plus dépendante aujourd'hui des problématiques énergétiques. Et je pense que par rapport à l'été, alors qu'on imaginait une récession assez forte en zone euro, notamment oui. En raison des prix de l'énergie qui étaient vraiment très très élevés à ce moment-là, on s'oriente vers une récession plus douce. Plus douce, notamment parce que les prix de l'énergie ont baissé assez considérablement depuis lors. C'est-à-dire on rappelle les chiffres peut-être, on a un pétrole à quoi, 83 dollars, c'est ça, on est quasiment au plus bas depuis janvier de cette année. Quand on regarde les prix du gaz, sur le gaz, on est à 125, alors qu'on était monté à 375, c'est-à-dire qu'on est quand même au plus haut, vraiment au pic du mois d'août. Évidemment, c'est encore 6 fois plus élevé que le niveau normal qu'on pourrait avoir, mais on va dire qu'il y a quand même une baisse de tension qui est quand même assez conséquente de ce point de vue-là. Et évidemment, si vous retraitez, on va dire, la principale problématique qui était affectée, enfin qui touchait l'Europe et qu'on pronostiquait, on va dire, pour cette fin d'année, on a quand même quelque chose qui s'améliore considérablement par rapport à ça. Ensuite, on a d'autres problématiques qui peuvent arriver et là, c'est en fait, c'est pour la suite des opérations, c'est là où ça va devenir évidemment intéressant parce qu'on a, d'une part, les banques centrales vont commencer à avoir leur période de ce qu'on appelle le blackout ou alors il y a un silence total des banquiers centraux qui va commencer, on va dire, à partir de ce week-end jusqu'au 14 pour la Fed, 14 décembre pour la Fed et le 15 pour la BCE. On va avoir un discours très important mercredi de Jérôme Powell et c'est à lui, on va dire, et je pense qu'il va faire tout ce qu'il peut dans son sens pour essayer d'orienter le marché pour ces 15 jours où justement il y aura un silence total de la part des banques centrales. C'est la grande question. Je pense moi qu'il a aujourd'hui intérêt, on va dire, à avoir un discours qui soit un peu plus dur que ce que le marché peut imaginer pour offrir justement cette période, on va dire, d'accalmie effective à partir du 14 décembre. Donc d'essayer peut-être de ne pas défrayer le marché, mais d'être assez restrictif, on va dire, pour ces 15 jours, notamment pour pouvoir avoir un effet, on va dire, au moins de stabilisation des marchés actions et pour pas que les conditions financières ne soient trop allégées pendant cette période-là, ce qui lui permettrait de réaliser son but, qui est de réduire le niveau de demande aux États-Unis et donc d'avoir un effet sur l'inflation. En Europe, c'est à peu près la même chose. Et on a aussi le deuxième facteur qui est, si je prends par exemple pour les entreprises américaines, on anticipait au mois de juin dernier une hausse des profits de 9% pour le T4 de cette année. Aujourd'hui, on est plutôt à estimer moins 2%, donc on voit qu'il y a quand même un retraitement assez massif, on va dire des gains espérés, donc ça peut aussi avoir un impact. Donc on va dire que pour les prochaines semaines, ça risque d'être compliqué de monter beaucoup plus haut que le niveau qu'on a actuellement. Et par contre, ensuite, à partir du moment où on aura le discours de la Fed, on aura sans doute une orientation plus intéressante pour la suite et avec une vision plus claire pour la suite des événements. Oui, mais ce n'est pas pour autant la fin des hausses de taux. Je pense que les investisseurs peut-être vont un peu vite en besogne parce que les taux vont continuer, enfin dans le discours qu'on a en ce moment des banques centrales, les taux vont continuer à remonter mais avec de moindre ampleur. On n'aura pas des hausses de 75 points de base, mais sûrement peut-être 50, 25. Mais les taux vont continuer de monter l'année prochaine. Alors, ils vont continuer de monter, mais c'est déjà dans le marché. On va dire le marché pour l'instant estime. C'est pricé ça déjà. Oui, c'est déjà dans le marché. J'ai l'impression que beaucoup de bonnes nouvelles sont quand même pricées, non?
Alors, des bonnes nouvelles, oui, mais en fait, alors, si on veut, mais on peut aussi se dire que, étant donné que la Fed aujourd'hui est dans une situation où on voit quand même un affaiblissement du rythme de l'inflation, si jamais on avait une inflation qui continuait de baisser à ce niveau-là, et si jamais on avait une réaction de la Fed par rapport à ça, de se dire finalement, on n'a peut-être pas besoin de monter les taux aussi haut qu'on l'avait annoncé avant. 5%, et aussi, c'est ce que le marché attend. Le marché attend entre 5 et 5,25, c'est ça. Si jamais l'inflation se calme d'ici là, on va dire, parce que là, c'est prévu pour le mois d'avril-mai, on va dire, à 5,5,25. Si les choses s'améliorent d'ici là, peut-être que ce ne sera pas la peine de monter aussi haut. Donc, il y a un potentiel encore de bonnes nouvelles. C'est ça, il y a un potentiel de bonnes nouvelles de la part de la Fed. Et si ça se trouve, c'est justement la question, je pense, prioritaire, c'est qu'il y a encore quelques mois, tout le monde imaginait que la récession était absolument inévitable aux États-Unis. Alors, c'est toujours sans doute le scénario. Elle est décalée pour l'instant. C'est un peu décalé. Et aujourd'hui, le scénario du soft landing devient de plus en plus probable. C'est ça. En fait, les marchés price quelque part un atterrissage en douceur de l'économie mondiale, notamment américaine aujourd'hui. Alors, surtout de l'économie américaine. Ensuite, ouais. Voilà, pour la zone euro, on va avoir sans doute, effectivement, comme vous l'avez dit, une récession sans doute. Les Américains peuvent éviter une récession ? Oui, je pense que c'est possible. Ce n'est pas absolument une certitude. Aujourd'hui, le scénario est plutôt sur une récession soft aux États-Unis. Mais je pense que le scénario d'un soft landing est vraiment possible aux États-Unis. Si jamais on avait effectivement un recul de l'inflation qui soit beaucoup plus rapide que ce qu'on peut imaginer, que ce qu'on imaginait précédemment, on pourrait avoir cette situation-là. Et quand on regarde. Et dans ce cas, chapeau. Parce que franchement, si la Fed réussit ce tour de force à la fois à refroidir l'économie américaine, avec une petite récession et que l'inflation, encore une fois, est sous contrôle, enfin, revient un peu dans son lit. Oui, ça serait quand même quasiment incroyable de sortir du Covid, enfin, quasiment les plus gros chocs macroéconomiques qu'on a connus depuis quasiment l'après-guerre successifs, les uns après les autres, d'arriver à replacer l'économie américaine exactement sur son niveau potentiel. Ça serait effectivement, ça relève de... Ouais. De l'art, mais là on n'y est pas encore, mais on n'est pas loin. On en prend le chemin en ce moment, je trouve. Peu de gens pariaient là-dessus quand même. Hein. Il y en avait quelques-uns, il y avait quand même quelques économistes qui pariaient là-dessus, et surtout la Fed pariait là-dessus. Ensuite, oui, ils ont quand même assoupli. Ils ont assoupli le discours en disant que la récession était quand même plus probable, mais même si on avait une récession, c'est ça que je pense qui est intéressant de prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui, l'économie américaine est au-dessus de son potentiel. Tout ce qu'ils veulent arriver à faire, c'est de revenir à ce niveau potentiel. Donc ça nécessite évidemment un niveau de ralentissement, mais si jamais ce ralentissement nous permet de revenir. De ramener l'économie américaine uniquement à son niveau potentiel sans passer en dessous, ce serait effectivement quelque chose de, ouais, regardez comme de très réussi. Sur le marché immobilier américain quand même, ce qui est en train de freiner avec une grave violence. Oui, ça ne se voit pas encore sur les prix, mais... Ça viendra. Mais oui, c'est effectivement très violent, mais de toute façon, c'est l'objectif. La Fed le dit clairement. De toute façon, c'est quasiment l'outil de transmission de la politique monétaire le plus efficace qu'ils ont à disposition. Donc oui, ils veulent arriver à affaiblir le secteur immobilier. Ça peut avoir un impact assez important pour le futur. Mais ensuite, comme le dit Powell, si jamais ils avaient un impact qui était trop lourd sur le niveau de l'économie, ils sont capables évidemment de changer d'avis et de partir dans l'autre sens. Bon. Donc, il y avait quand même des bonnes raisons fondamentales et techniques. Est-ce qu'il y a un rebond, encore une fois, des marchés boursiers d'un peu moins de 20%? Oui, absolument. Après la suite de l'histoire, elle n'est pas écrite. Mais on peut imaginer la poursuite de la hausse si, encore une fois, l'inflation ralentit et que la Fed n'a pas besoin d'aller aussi haut en matière de taux directeurs. C'est ça. Et le jour, les fameux 5,5,25. Le jour de la réunion de la Fed, le 14 décembre, on aura également les chiffres d'inflation américains qui seront très importants. Et effectivement, si les chiffres sont plus élevés que prévu, ça risque d'être par contre pas très très bon pour la suite. Par contre, si les chiffres sont meilleurs que prévu, ça peut alimenter effectivement le fait que la Fed n'a peut-être pas besoin d'aller aussi haut que tout le monde le croyait auparavant. Bon voilà, merci en tout cas. Explication signée Nicolas Gotzman, pour la Financière de la Cité. Merci beaucoup. Au revoir.